Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro foot sur DLTV, votre talk du lundi avec la même équipe ou l'équipe qui se reconstruit puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, en tout cas en temps de la récupérer. Il était en déplacement et il revient sur ses terres, c'est-à-dire le plateau de Facebook. C'est le coach Nordin Saadi qui est avec nous ce soir. Salut Nordin. Salut, bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Ça vous a reposé cette petite semaine? Nous, en tout cas, vous nous avez manqué. Moi, pas. J'étais bien avec mes petits-enfants et ma fille. Eh bien, on espère qu'ils vont bien, il est en forme en tout cas ce soir. À côté de vous, Hadj Adlan, faites attention, Hadj, parce qu'aujourd'hui il est très en forme, le coach. Bonsoir Riyad, bonsoir tout le monde. Moi, il m'a manqué toute la France. Il nous a tous manqué, mais lui, bon, je pense qu'il y avait plus important. En face de vous, la rédaction de FaceFoot, avec juste à côté de moi, la frère Habib du journal Compétition, qui est fidèle au poste. Salut la frère. Bonsoir. À côté de vous, Jamel Rachdi, qui lui aiguise déjà ses couteaux. Hein, il est prêt à dégainer. Salut Jamel. Bonsoir tout le monde. Et à côté de vous, de la rédaction de ZLTV, la rédaction sport, Amine Thierman est avec nous. Salut Amine. Bonsoir tout le monde. Alors, on a concocté pour vous ce soir, bien sûr, la Newsweek, l'actualité qui a marqué la semaine, en tout cas de lundi dernier jusqu'à ce soir. La liste de Gourcuff, on va en parler avec quelques surprises, en tout cas pour certains. On va parler de Ligue 2. Pour la première fois sur ce plateau, notamment les dernières journées qui sont décisives pour la montée en Ligue 1 pour trois clubs, notamment Tagenent, Medea et Rilizen, trois candidats donc pour la montée. Et puis on va parler de la JSK qui a perdu à domicile face au CRB. C'était pas à huis clos, mais il n'y avait pas beaucoup de monde au stade du 1er novembre à Tizi Ouzou le week-end dernier. La JSK qui perd et qui se fait peur, et la JSK qui est donc dans une zone très rouge. C'est une saison cauchemardesque qui va aller jusqu'au bout du cauchemar pour les supporters de la JSK. Tout de suite, mesdames, messieurs, c'est la Newsweek. On regarde et on se retrouve tout de suite après. Le sélectionneur national continue de nous surprendre avec ses choix, ses schémas tactiques, encore ses listes dévoilées. Christian Gourcuff a fait appel cette semaine à 23 joueurs pour préparer le match face aux Seychelles. Une liste qui livre, comme à l'accoutumée, son lot de surprises, avec l'inattendu mis à l'écart de Mboulhi, remplacé par le dur Deria et Esla. L'ex-gardien du CSK Sofia paye son manque de temps de jeu à Philadelphie. Cependant, le prochain regroupement des Verts connaîtra le retour de Adlen Guidiura et Riyad Boudbouz. Le premier a contribué à la montée de son club en Première Ligue et le second joue régulièrement avec Bastia. L'ancien entraîneur de Lorient a donné une nouvelle chance à l'attaquant du MC Lulma, Brahim Chinehi, qui sera donc présent face aux Seychelles. C'est le cas aussi pour l'actuel joueur du club africain, Hicham Belkaroui, convoqué pour la toute première fois et dont tout le monde connaît ses qualités. Sodani et Belkalem sont eux aussi de retour dans la liste après avoir rétabli. Pour les joueurs locaux, ils vont devoir faire preuve de plus de sérieux au sein de leur club pour espérer une place dans les 23. Les nouveaux choix du Breton vont-ils apporter leurs fruits cette fois-ci après la déception de la CAN 2015? La vérité de l'Afrique tranchera. Le suspense reste entier dans le championnat professionnel de Ligue 2. Deux journées seulement avant la fin de la saison, Tagenent, Medea et Rilizen se battent pour seulement deux places d'accession en Ligue 1. Le DRB Tagenent a rejoint lors de la 28e journée le Rapide de Rilizen à la seconde place et se rapproche un peu plus d'une accession historique après une victoire face au leader Blida sur un score de 1-0. Le RC Rilizen de son côté s'est incliné face au MC Saïda sur le score de 2-1. Mais il garde toutefois ses chances d'accéder en Ligue 1. Un autre club qui vise l'élite, il s'agit de l'Olympique de Medea qui revient à deux longueurs seulement du Dauphin. Les protégés de Hedjar se sont imposés 1-0 face au premier relégable, l'USM Hedjot. Encore deux journées de championnat, le suspense sera sans doute entier et la lutte pour les deux billets restants bat son plein. Il s'agit d'un club qui n'a jamais quitté l'élite depuis son accession en 1969. Mais la succession des mauvais résultats et les déboires du club cette saison
pourrait laisser penser que la JSK risque la descente infernale en Ligue 2. Le club n'a qu'un seul point d'avance sur le premier relégable après la dernière défaite au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou face au CR Belouizdad. Le spectre de la relégation menace d'aussi près les Kabyles à 3 journées de la fin de la compétition. Dans un championnat où tout peut arriver et que seul le leader, l'Entente de Sétif, assurait mathématiquement son maintien, le pire reste à venir pour les Canaries qui se trouvent dans une position pénible. Dans les 3 matchs restants, les Kabyles auront 2 sorties délicates à l'Erba et à Constantine. Entre les deux, il y aura la réception de l'USM Al-Harrach, une équipe qui fait bonne figure jusque-là. La mission s'annonce ardue et le chemin du maintien est encore lent pour le capitaine Riel et ses compagnons. Une saison cauchemardesque que les supporters canaris ne sont pas prêts d'oublier, entamée par la mort des bossés et qui sera sans doute marquée à la fin par le saut de la peur. Et voilà, on va commencer avec Gourcuff qui a dévoilé cette semaine la liste de ses 23 joueurs pour les qualifs et pour le premier match face aux Seychelles avec quelques surprises. Alors je ne sais pas si c'est des surprises ou c'est la logique du terrain qui a parlé. C'est un peu la logique du terrain, même si dans le sujet de Khadija Khedaoui, on a entendu les surprenantes décisions de Gourcuff, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas extrêmement surprenantes, à part qu'il a osé, parce qu'on a déjà aligné Mboulhi alors qu'il ne jouait pas ou peu, et là, il choisit de ne pas du tout l'appeler, et c'est la première fois, je pense, depuis beaucoup de sélections. Je pense que s'il a éliminé Mboulhi cette fois-ci, c'est en fonction de l'adversaire qu'il va rencontrer. Je pense que le Seychelles et le Lesotho ne sont pas des foudres de guerre, et si Mboulhi n'a pas été retenu, ça sera l'occasion de donner une nouvelle chance à un gardien comme Doha pour s'imposer comme le véritable numéro 2. Parce qu'à mes yeux, Mboulhi reste le numéro 1 de la sélection nationale. Même quand il n'a pas joué, il a été aligné, il a fait une superbe Coupe du Monde, tout en n'étant pas licencié d'une manière régulière. Donc pour moi, l'histoire de Mboulhi, c'est un petit peu une forme de pause que lui a attribué le coach. Maintenant, pour le reste des joueurs... On va rester sur Mboulhi, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Vous pensez qu'il va revenir, ouais, même si ces déboires continuent? Bien sûr qu'il va revenir. Là, cette fois-ci, il n'a pas été appelé, comme on l'a dit. En fait, les dirigeants de Philadelphie ne veulent plus de lui. D'abord parce qu'il ne joue pas. Bon, ensuite, il s'est passé des choses dans son club, beaucoup de choses ont été dites par rapport à ses qualités, par rapport à sa forme. Donc franchement, moralement, il ne doit pas être au top de sa forme. Donc c'est tout à fait logique que l'entraîneur fasse l'impasse sur Mboulhi. Mais j'espère qu'il va retrouver très vite un club digne de son talent. Et aussi sa place au sein de l'EN. Vous dites retrouver un club digne de son talent. Et il n'a jamais trouvé un club, club digne. Pour son malheur, oui, effectivement. Ouais. Même après sa grande Coupe du Monde, on s'est dit que pour une fois, donc il a été vu sur toute la planète. Son agent, pour ne pas le nommer, Boula, était entre Philadelphie et Nice, je crois, en France, et il a choisi les États-Unis. C'est des mauvais choix, c'est clair. C'est des choix dictés sûrement par l'argent, surtout. Donc à la fin, quand tu fais un mauvais choix, tu le payes à la fin. Donc Mboulhi n'a pas eu la chance d'être... il n'a pas tapé encore dans l'œil d'un club sérieux, c'est-à-dire un club tout simplement européen. La Coupe du Monde, si tu n'as pas sur un œil d'un club digne de ce nom, vous savez, il faut pas croire. Justement, il ne faut pas croire que le monde professionnel est parfait. Des fois, il y a des gens comme ça qui passent à côté parce que, je ne sais pas, déjà des agents de joueurs n'ont pas fait leur boulot, alors des recruteurs n'ont pas été... Est-ce que le respect que je dois à son manager, je ne pense pas que Mboulhi est un manager qui a une dimension internationale reconnue. Il y a des managers qui placent des joueurs vraiment médiocres à la limite, pour ne pas dire rien du tout, dans des clubs UP. Mboulhi a fait 2 Coupes du Monde, 2 superbes Coupes du Monde, 2010 et 2014, sans avoir de club pratiquement, et pourtant il n'a pas trouvé preneur, il n'a pas trouvé un club acquéreur. MLS, actuellement,
les gens qui vont la jouer. MLS, Major League of Soccer. Exactement. Les gens qui vont signer là-bas, c'est des joueurs de, après à la retraite. Le cas de Gérard qui va jouer. Il y a de Beckham, de Thierry Henry, notamment. Exactement. Ils sont en train de développer le football. Maintenant, le cas de Mboulhé, pardon, Amine. La dernière fois, c'était la fin de saison. Là, il a terminé en championnat de la Russie. Ils ont terminé très tôt. Il fallait le maintenir sa forme. Actuellement, c'est un choix qui a été fait au niveau de son club. Et ses performances ne plaident pas en sa faveur. Il a été carrément écarté. Pas écarté momentanément, écarté de l'équipe. Parce qu'il voit qu'il peut pas apporter le plus qu'ils attendaient. Maintenant, il a été écarté de la sélection. Moi, je trouve que c'est plus que logique. Maintenant, si quelqu'un ne joue pas, c'est vrai qu'on a eu des cas, mais c'est maintenant si quelqu'un ne joue pas, surtout un gardien de but, parce que le poste il est très spécifique, il faudrait qu'il soit à plus de 100% de ses moyens. Derrière lui, il a la cage. Pour terminer avec Mboulhé, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une chance, au cas où il ne retrouve pas de temps de jeu ou un club, que Doha, comme je l'avais posé la question à Doha, est-ce qu'il ne peut pas espérer une place de numéro 1, lui, qu'on dit du côté de... La Belgique, Bruges. De Bruges. Doha, merci pour la rime. Je pense que Doha peut effectivement postuler pour la place de numéro 1, du moins provisoire. Je sais qu'il n'aime pas, le coach, je sais qu'il n'aime pas commenter les choix des entraîneurs et notamment la liste de sélectionneurs. La presse commente aussi. Ce week-end, vous disiez que Mboulhé était au-dessus de tout le monde. Est-ce que là, vous pensez que le choix est justifié quand on ne joue pas ou on ne joue pas assez, on ne doit pas être sélectionné ? Si je l'ai dit, je l'ai dit tout simplement pendant la Coupe du Monde. Moi, je ne partage pas du tout l'avis sur Mboulhé. Je ne pense pas qu'il ait ce standing dont vous parlez. Parce que le signe révélateur d'un talent, d'un très bon joueur, c'est la stabilité de bonnes prestations. Voyez-vous ce qui se passe au Real de Madrid, par exemple, quand Benzema chute un match, on oublie tout le reste. Et Mboulhé, il ne joue jamais bien dans les clubs. Il est bon qu'en sélection. Il est bon, il a eu une chance, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas qu'un joueur qui n'est pas tout le temps, qui n'attire pas l'attention de ses entraîneurs dans les clubs où il est signataire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce lui, peut-être, qui lâche ? Est-ce lui qui se donne à fond avant les événements de Coupe du Monde ? Il a fait un effort, tout le monde a vu, et je reconnais aussi qu'il a fait une très bonne Coupe du Monde. Néanmoins, en football, on juge sur la régularité, et il ne l'est pas du tout. Alors, ça c'est sur Mboulhé, on va commenter, messieurs, le reste de la liste. Il y a des retours marquants, notamment celui de Guardiola, qui a payé, j'allais dire, Mskine, le fait d'être évacué avant la Coupe du Monde et avant la CAN. Et là, il retrouve une place de titulaire. Le coach s'en justifie. Il y a Boudbouz également. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas dans une liste de 23. En fait, c'est affaire chicha oubliée, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, on va terminer avec Chenihi, celui qui a réussi son test, le seul local qui a réussi son test de Doha. Pour Yann Boudbouz, ce n'est pas une surprise, du moment qu'il a même été convoqué pour le tournoi de Qatar, c'est juste qu'il était blessé. Il y a eu déjà une petite convocation dans la liste des réservistes aussi, pour des 30, mais à chaque fois il s'est blessé, etc. Mais après, quand on voit sa saison avec Bastia, il rebondit. Même cas pour Rabid. Aussi, il a été convoqué dans un match officiel, puis le tournoi de Qatar, c'est juste qu'il a été blessé. Il était convoqué. Il était même concerné par la Coupe d'Afrique des Nations, c'est juste qu'il était blessé. Donc c'est des circonstances atténuantes pour ces joueurs. Et pour Adeline Guedioula, moi je pense que c'est un retour logique, très logique, parce que si on voit le milieu de terrain de l'équipe nationale, on retrouve que à son poste, là, des milieux défensifs, on retrouve Taider et Bentaleb qui sont jeunes. Ils sont jeunes, ils sont très bons, ils sont les plus réguliers de la philosophie de... Taider a marqué lors de la dernière journée. Non, ils sont bons, même avec leur club. Bentaleb a fait sa meilleure saison depuis sa jeune carrière avec Tottenham. Et Taider, il a rebondi à Sassoulou, il a fait le bon choix en parlant de choix de carrière, parce qu'à l'Inter, il ne jouait pas. Et à part ça, il n'y a pas de milieu de terrain. Il n'y a pas de milieu de terrain défensif. Il y a un nom qui a sauté, c'est Kesshi. Oui, qu'on retrouve. Depuis la CAN, il n'a plus joué.
et voilà, son club descend, donc voilà, c'est, des, c'est d'autres. De non, moi, je pense que eu égard à ses prestations avec Watford, je pense que Guardiola méritait largement de revenir au premier plan, parce que c'est un gars qui a de la qualité, qui a une présence physique quand même assez importante, et qui a qui peut s'imposer. Je pense que Guardiola, d'ailleurs, Guardiola nous a manqué, en Coupe d'Afrique. Je pense qu'il nous a manqué. Il a rebondi sur les tweets de. Je pense qu'il nous a manqué en Coupe d'Afrique parce qu'il y a une présence physique très. Beaucoup plus en Coupe d'Afrique. On a senti son comment dire ça, son absence en Coupe d'Afrique où on avait besoin de un peu de fraîcheur physique, un peu de puissance physique. Alors messieurs, finalement quand on regarde cette liste, à part le fait qu'on a une petite information et on se dit que il n'y a définitivement pas d'affaire Gourcuff-Soudani, puisque après ses blessures, il revient en sélection, donc il n'y a pas de sanctions. Et puis Mesbah, voilà, après ce qui s'est passé au Qatar et ce qui s'est dit finalement. Il a précisé aussi pour Jabou, même s'il est blessé, il a dit qu'il n'y aura pas d'affaire Jabou. Voilà. Il y a Chenehe qui figure sur la liste, je pense qu'il s'est mérité là, aussi. On parlait des Drogo, très très important aussi, c'est la défense, c'est la charnière centrale. Là où il y a beaucoup de problèmes, les lacunes de cette équipe nationale, c'est la défense centrale. Il y a Hlich qui s'est blessé, une dure blessure aujourd'hui. Le rapport a été communiqué aujourd'hui. Donc il va être remplacé par quelqu'un d'autre. On ne sait pas encore, pour le moment, il n'a pas été, le nom de son remplaçant n'a pas encore été communiqué. Peut-être qu'il va revenir vers Chafaï, parce qu'il n'y a pas de joueur professionnel dans la défense. Donc c'est soit qui est susceptible de renforcer. C'est-à-dire Chafaï, ou alors il va donner la chance à peut-être non, plus Chafaï, je pense pas Blamé. Il a eu plus de temps de jeu. Ça peut être Chafaï, ça peut être aussi Namané de Schleff. Il peut faire reculer Guardiola. Par exemple, oui. Guardiola, voilà. Guardiola au central. Ça, c'est une idée. Bien sûr. Ça, c'est une bonne idée. Mais bien sûr. C'est l'œil de coach. Hein. Bien sûr. Non, non, mais c'est vrai. Moi, j'en ai parlé déjà. Il aurait pu jouer, il peut jouer. Je pense qu'il peut jouer comme libéro sans problème. Peut-être qu'avec. Il va pas le remplacer, peut-être. Hein. Il va rester avec ses 22. Le problème dans la charnière centrale, c'est qu'il faut rénover. Et c'est qu'il faut. C'est un chantier. C'est un chantier, exactement. Si, parce que c'est une petite solution. Adeline Guardiola dans l'axe. Mais il va jouer 2-3 matchs, il a dépassé la trentaine, mais il faudra chercher la relève. Bougala, il est parti. Hlich, il a 29 ans et il joue dans un championnat qatari qui est faible par rapport aux autres championnats européens. Lui, il se défend, il s'est défendu au Qatar, il a dit « je ne suis pas un joueur mort ou retraité, je suis encore là, je suis valable ». Ce qui est vrai, il a 28 ans, 28 ans, à peine. Il rentre vers ça. Club africain. Oui, c'est voilà, donc il faudra chercher la relève. Peut-être qu'il va faire l'affaire. Est-ce que c'est aussi inquiétant, comme ça, quand on voit Gourcuff, on sent qu'il a un problème dans la charnière centrale. Il ne l'a pas encore trouvé. Quand on n'a pas ces deux tours défensives, est-ce que c'est un problème dans l'équilibre d'une équipe? C'est un vrai problème? Dans tous les postes, quand il n'y a pas une assurance ou un choix définitif et clair, c'est un problème. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème dans la charnière. Étant donné que pour moi, Medjani est partant, il n'était pas bon au Qatar parce que, bon, c'est, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, Medjani, il va faire l'affaire d'une manière convenable. Pas de problème. Et celui qui peut revenir à côté, il y a le choix. Belkalem peut revenir. Vous avez parlé de Guardiola. Guardiola, Belkaroui, Chafaï, pourquoi pas. Je pense qu'il y a, il y aura pas de problème. Voilà pour cette liste, parce que le temps passe, qu'il n'a pas trop de surprises. Rapidement, Jamel. Parce que les adversaires ne sont pas de grands adversaires. Il aura tout le temps de mettre en place les charnières centrales. Attention, ne pas sous-estimer les adversaires. On va pas sous-estimer le Seychelles. On va passer à la Ligue 2. Les Otto-Makelois. Makelois dit non décédé. On verra bien la loi du terrain. Alors, la Ligue 2, messieurs, on va descendre un petit peu d'un étage pour voir ce que fait Medea, Rolizen et surtout Tadjunet, qui est promu, messieurs, promu en Ligue 2 et qui se bagarre pour monter en Ligue 1. Mais Rolizen est un habitué de la Ligue 2, pas comme Tadjunet. Et quand on voit le parcours de ces trois équipes, il y a deux fauteuils, puisque Blida est déjà en Ligue 1 l'année prochaine. Il reste donc deux places. On va voir ce tableau que va nous montrer
Notre ami réalisateur Hichem Zelewan, Platini, pour ceux qui le connaissent un petit peu mieux, mais avec le temps vous allez le connaître. On va voir ce tableau donc de ce qui attend ces trois équipes lors des deux dernières journées. Et il y a une équipe qui semble en pole position, hein, messieurs, pour passer la première. C'est peut-être Médéa. Médéa qui est dans la continuité de l'année passée. On se souvient qu'ils ont raté l'accession au dernier match contre le Nasser de Hussein Bey. Voilà le tableau. Je pense qu'ils sont dans la continuité du travail qui a été entamé depuis deux ans. Il y a Tejinet aussi qui sont en bonne position. Et ils ont plus de chances. Exactement, c'est plus de chances. Voilà, on a Médéa qui joue. Médéa qui va à Blida, une équipe qui joue plus grand chose. Ouais, mais c'est un défi. Il va être champion aussi, il y a Blida. Tejinet qui reçoit Marouana qui est déjà, je crois, descendu. C'est une équipe qui n'espère plus rien dans la compétition. Et puis Relizane qui reçoit la GSMB, ça c'est pour l'avant-dernière journée. Et puis il y a El Fakron qui se bat pour son maintien, qui exactement recevra Relizane lors de la dernière journée. Boussaada qui reçoit Tejnant. Et puis on a un petit Médéa Borjbouhari en fin de saison. Je vous dis que Médéa. Je pense que Tejnant a les meilleures chances de décrocher le deuxième ticket. Le troisième va se jouer entre Médéa et Relizane avec un petit avantage pour l'OM Médéa. On va voir le classement pour que ça vous rafraîchisse un petit peu. Il y a deux points déjà, oui. Ouais. Si l'OM Médéa fait un résultat positif contre l'USM Blida, je pense qu'ils augmentent leur chance d'accéder en Ligue 1 pour la voilà. Parce que les équipes en face nous joueront pour le plaisir. Alors regardez à quel point c'est serré. Hein. GSM Bjaya qui ils ont assuré le maintien. Kabborj Bahreïr, je pense qu'ils ont raté quand même une chance de coller au peloton. Déjà, Médéa qui a deux points de retard, donc c'est pas évident. À exactement. Mon avis, elle a deux points de couloir, mais elle a moins de points. Oui, écoute, deux points, je pense que c'est pas beaucoup. Il reste deux matchs, alors c'est jouable. Écoute, celui qui doit. Moi, dans tous les cas, pour Tajnant et Liamine Bourla, là, qui a fait du bon boulot. Exactement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce tableau, avant de passer à la GSC, qu'est-ce qu'on remarque dans ce tableau, messieurs, c'est que ceux qui étaient, entre guillemets, censés être favoris pour la montée, je pense à la GSMB, je pense au Watt de Tlemcen, je pense au Kaba Borjbouhari, les habitués de la Ligue 1, ben ceux-là, ils ont complètement raté. Tlemcen est en danger, elle joue le maintien. Il y a beaucoup de problèmes. Il risque de descendre. Il s'est passé la même chose qu'en D1. Hein. C'est une drôle de 2-2 aussi. Hein. Personne ne s'attendait à un tel. Bon, à part Blida, qui est un habitué. Voilà, c'était pas une équipe avec des ambitions. Exactement. Blida ne jouait pas carrément l'accession, voilà. Même si quelque part ils avaient ça en tête. Mais bon, c'est un peu. Bon, quand tu vois Tejnant, Enfkron, il n'y a pas si longtemps. C'est un peu symptomatique de l'économie algérienne. C'est-à-dire là où. C'est un peu des places boursières. Jessam Bidjaya, qui était au début de saison, prétendant pour la Ligue 1. Hein. Prétendant et qui termine très mal la saison. Et puis on en profite pour avoir une pensée à l'ancien président Théab qui a perdu tragiquement et violemment son épouse Arlette Tayeb, l'Ayrhama, et c'est un choc, hein. même s'il n'est plus président de la GSMB, c'est toute la famille de la GSMB qui est en deuil jusqu'à maintenant. C'est toute la région qui a été en deuil. Et puis on garde tous un souvenir de Tayeb, qui est un homme charmant, un homme extraordinaire. Un grand président. On va terminer. Puisque j'ai eu l'occasion quand même de connaître. Pas beaucoup, mais j'ai quand même connu cette dame. Il faut aussi savoir que c'était une grande dame qui a énormément aidé dans la région, qui était tout le temps qui est activée. Et voilà, c'est malheureux, franchement, ce qui lui est arrivé. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés là où j'étais, ils étaient choqués. Moi-même, le premier, j'étais vraiment choqué parce qu'elle ne méritait pas de finir sa vie comme ça. On va terminer, messieurs, avec la JSK en Ligue 2, avec un point d'interrogation, bien évidemment, parce que c'est le spectre qui hante peut-être, j'allais dire, ça va rimer, l'antre du 1er novembre, depuis surtout ce presque un derby, hein, c'est un classique entre le CRB et la JSK. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment dans ce match. Il y a eu une mauvaise ambiance. Il y a eu les violences qui sont revenues. Mais le fantôme des bossés est revenu hanter les esprits parce que j'ai vu des images, j'ai vu une photo même sur le journal Compétition où des pierres pleuvaient sur ce tunnel et ça m'a rappelé justement cet incident tragique et je me suis dit, la phrase que je me suis dit, Maïn Darosh. On oublie vite. On oublie vite.
C'est quand même dramatique ce que a subi ce club tout au long de cette saison. Et là, un malheur ne vient jamais seul. La JSK va se faire vraiment très peur jusqu'à la fin de la saison. Et, les supporters qui ont attendu longtemps avant de revoir leur équipe, eh bien, ils ne la reverront pas jusqu'à la fin de la saison, puisque le seul match qui sera à Tizi Ouzou, sera à huis clos. Ça veut commencer. Sadi veut commencer. Non, je veux commencer parce que je veux ramener la discussion à, un fait qui vraiment, ce n'est pas normal qu'il se passe tout le temps les mêmes choses et qu'il y ait la même démagogie autour et qu'il n'y ait plus rien après. Je m'explique. Après l'incident, souvenez-vous de toutes les discussions. Toutes les parties, je dis bien partie civile, politique, etc., se sont prononcées. Mobilisées. Qu'est-ce qu'on a vu depuis? S'il y a bien un endroit où il fallait commencer à mettre des caméras, c'est bien l'endroit où il y a un mois. C'est de cette tribune, c'est la logique. Montrez-moi un stade. On dit qu'on a eu des retards dans la construction des stades. Je comprends. On arrive à comprendre. C'est le béton, c'est les, ceci, c'est les Chinois. Non, je peux comprendre. Mais écoutez, mais quand même, il y a eu un mort. On a fait des discours, on a fait des réunions, on a fait des conseils ministériels, on a fait. Et le problème reste. Et c'est tout le temps, dans tous les clubs, c'est la même chose. À quand, je n'excuse pas, c'est jeune. Qui s'exprime ainsi. Enfin, c'est idiot, parce qu'on ne s'exprime pas. Mais écoutez, pas mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Tout à l'heure, je regardais les informations. On ramène dans un. Bon, en France, j'ai vu, on ramène une préfecture pour limiter la vitesse de 90 à 80. Et tout le monde est écœuré, pourquoi, etc., etc. Je me suis posé la question. Mais ça veut dire que celui qui ne respecte pas, il sera chippé. Hein ? Il y a des policiers, il y a une autorité qui fait respecter la loi. Mais chez nous, il y en a marre, il faut plus parler. On ne fait que parler. Et bosser après les réunions, les télévisions. Maintenant, moi, je pense qu'on ne respecte pas la mémoire d'un jeune comme ça. Et s'il fallait, et si, on n'a pas pris encore. La mesure de l'ampleur des dégâts. Exactement. On l'oublie vite, comme il a dit Jamel. Voilà pour le coup de gueule de Sadi. Mais on va revenir au déboire de la JSK cette saison et sa fin de parcours. Est-ce que vraiment l'affaire de la JSK est en danger? C'est clair, ça, c'est le classement qui le dit, c'est le nombre de points, c'est mathématique, on ne peut pas dire autre chose. Ils ne sont pas les seuls, mais là, ils sont en danger. Oui, il ne faut pas oublier aussi, on est dans un drôle de championnat où tout le monde est concerné par... à la rigueur... On va en parler dans le face-à-face tout de suite après. À la rigueur, je dirais que peut-être la JSK, c'est l'équipe qui a le plus de circonstances atténuantes, vu ce qu'elle a vécu comme péripétie depuis la mort de Bossé. Elle a joué je ne sais pas combien de matchs à huis clos, dehors de ses bases, etc. Bon, ça n'excuse pas parce que, bon, les gens oublient aussi une chose, que ce n'est pas la première fois que la JSK ne joue plus les grands rôles. Quoique, bon, l'année dernière, où elle a terminé deuxième et elle a été finaliste, mais il y a deux ans, elle a aussi... C'est sauvé. Les 35 qui sont hués, insultés, en demandant son départ, est-ce que c'est nouveau, est-ce qu'il est vraiment en danger? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on réclame le départ de Hennachi. Aujourd'hui, il faut dire une chose. Est-ce que c'est lui le problème? La JSK, c'est un grand club qui, aujourd'hui, ne mérite pas ce qui lui arrive, c'est clair. La JSK aujourd'hui n'a pas le président qu'il faut, n'a pas les dirigeants qu'il faut, n'a pas l'entraîneur qu'il faut, n'a pas le stade qu'il faut, n'a même pas les supporters qu'il faut. Parce que le peu de supporters qui vont au stade, c'est pour faire tout ce qu'ils ont fait comme la dernière fois. Même donc, l'équipe de désactivée c'est tout à fait le normal dernier. Que les vrais, je dis bien les vrais supporters de la JSK se posent des questions sur l'avenir de leur club. Maintenant, le départ de Hennachi. Mais bien sûr que Hennachi doit partir. Il doit partir pour... je ne sais pas, je peux énumérer une centaine de raisons. Ne serait-ce que parce qu'il est là depuis longtemps. Il faut bien essayer quelqu'un d'autre. Et personne n'est éternel.
Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose un projet à la GSK? Mais vous savez, on voit en Kabylie beaucoup d'anciens joueurs disent il faut qu'ils partent. Moi, je ne crois pas. Je termine. Le projet est trop fort. Parce que est-ce que Hanachi a réalisé un projet? Le problème, il est pourquoi parler de projet? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réalisé un projet? Voilà, c'est ça. Quelque part. Voilà, personne. On ne peut pas réaliser des projets en sacrifiant 4 ou 5 entraîneurs par saison. Par saison. C'est pas possible. Le problème crucial de la GSK, je l'ai dit hier, je le répète, c'est un problème de stabilité technique, d'abord. Maintenant, administratif aussi, il y a des problèmes entre Hanachi et certains membres de son conseil d'administration qui, une fois, sont là, après, ils font la tête, ils repartent, et après, ils réintègrent, etc., etc. Toute cette instabilité, naturellement, se répercute sur le rendement de l'équipe. L'instabilité technique, c'est au président de l'assurer. Oui, naturellement. Si le président change carrément, change 80% de l'effectif chaque saison, alors que la saison dernière, il avait bâti une équipe conquérante, il avait bâti une équipe de joueurs. Franchement, il y avait un très bon état d'esprit dans le groupe. Ils ont fait. Il y a un élément qu'on oublie souvent. On terminera avec Sadi. Il y a un élément qu'on oublie souvent parce que la presse. Elle met. Vous avez mis du temps, 32 minutes. Non, elle met la pression tout le temps, et c'est de bonne guerre, sur le travail des entraîneurs, sur le pourquoi, quand j'étais à Béjaïa, il y a vraiment des journalistes qui me sont restés à travers la gorge. C'est tout le temps, est-ce que vous partez, est-ce que vous partez pas, est-ce que trop, est-ce que ma trop. C'est ça qui mais c'est devenu une logique, non, c'est devenu. Attendez. On va faire match, les présidents aussi, ils en ont pour leur compte. Il y a des gens qui passent inaperçus, ce sont les joueurs. Quand on ouvre les journaux avant le match du CRB, puisqu'on parle de la GSK, combien de joueurs parlaient du match? Les 3 points restent ici. Ils n'ont rien à espérer. Eh bien, ces joueurs-là, il faut qu'ils fassent quelque chose aussi. Je parle des joueurs de tous les clubs. Il faut qu'ils arrêtent de dire oui à chaque fois. Il faut qu'ils arrêtent de parler pour rien. C'est ça le gros problème. Qui commence problème à jouer un peu au foot. Et qui commence à jouer. Eux, c'est les dindons de McKench. Le match est passé. C'est plus eux. Oui, mais c'est pas on parle de Hennachi. On parle de départ. Mais on parle jamais de joueurs. Oui, mais là, on parle de la GSK en général. On parle pas de ces joueurs. Parlons de la GSK. Les joueurs évoluent la peur au ventre. Moi, je les comprends. Dans un environnement un peu hostile, il faut le dire aussi. Bah écoute, je ne parle pas des joueurs. Quand on fait des matchs en boucle, là. Bon, deux secondes. On parle de la GSK. Si. Je viens de le dire quand il a parlé de l'affaire des bossés, on n'a rien fait après. La GSK, on parle, ça fait 10 ans qu'on parle de problèmes de la GSK. 10 ans, peut-être que j'ai un peu exagéré, mais ça fait un bon moment. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Maintenant, il faudrait voir les choses en face. Il y a un problème au niveau du club. Il a dominé le football pendant 20 ans. Il y avait une ligne de conduite, il y avait quand même un travail qui a été fait, un travail de fond. Pourquoi ne pas revenir à cette période et pourquoi ne pas revenir à ce travail-là? On rentabilise pas ce qu'on a. On a changé, on a dévié complètement ce que les gens faisaient du bon pour boulot. Un génie de 20 ans et on retourne. Écoute. Alors, Rachdi et on boucle avec ça, avec la musique. Simplement pour l'anecdote, moi, au train où va les choses à la GSK, je ne mettrai pas un réel pour sa survie de la GSK. Oula, c'était votre invité hier, c'est pas gentil ça. On passe à la deuxième partie, Hichem, on passe au face-à-face. Au terme de la 27e journée, le championnat d'Algérie est loin d'avoir livré son verdict. À l'heure actuelle, la lanterne rouge et le leader ne comptent que 12 petites longueurs d'écart. Champion d'Afrique en titre, l'Antoine de City fait actuellement la course en tête avec 44 points. Mais l'USM Blabès 16e affiche 32 unités au compteur, accusant pour sa part un retard d'un petit point seulement sur l'avant-dernier, le Nadu Sendé. Le calcul est simple, alors qu'il ne reste que 3 matchs à jouer, le premier non relégable n'est qu'à 9 points de la première place. Un championnat collé, serré, qui risque de donner encore des surprises. À 20 jours de la fin de la saison, personne ne peut deviner qui sera champion, qui aura une place africaine et surtout qui descendra en Ligue 2. Ce sont les questions qui taraudent l'esprit des passionnés de la Ligue 1. Du moins, ceux qui restent parmi eux sortent les calculatrices pour faire les calculs à 3 journées de la fin du championnat. Au haut du tableau, c'est l'entente de Sétif qui a pris une option samedi en arrachant la victoire difficilement au Umeå 45 face à l'Erbar.
Le nul du vainqueur de la Coupe d'Algérie à Béjaïa face au MCO facilite la tâche aux Sétifiens. Mais attention justement au Hamraoua. Avec 40 points à son actif, le MCO a le droit de rêver. Surtout qu'il aura deux matchs à domicile sur trois, dont la dernière rencontre du championnat à Zabana face au concurrent direct, l'Entente de Sétif. Les gars des hauts plateaux, et malgré leurs 4 longueurs d'avance, doivent faire très attention à un éventuel champion surprise, le Chabab de Belouizdad. Celui qui luttait pour le maintien peut rêver du titre. Mieux encore, il a de fortes chances de terminer premier, à condition de battre Sétif samedi prochain au 20 août 55. Puis, le CRB reçoit encore une semaine plus tard la formation du RC Arba et se déplacera pour l'ultime journée de la saison juste à côté de Ruisseau à la Vigerie pour y affronter Al Harrach. Justement, les Harrachi auraient dû battre le Mouloudia samedi dernier. Ils accueilleront un relégable Nadu Sende samedi prochain, puis se déplaceront chez un autre relégable, la JSK, avant d'accueillir le CRB lors de la 30e journée. C'est dire que même s'il est très difficile de pronostiquer dans le championnat algérien, mais les calculs partent en faveur du CRB Louizdad et l'Entente de Sétif. En bas du tableau, les choses sont encore plus compliquées, avec pas moins de 9 clubs qui jouent le maintien. Mais 4 d'entre eux sont en danger. A commencer par Blabès et après sa défaite face au Net, se complique la vie. Les Scorpions, dernier de la classe, recevront l'ASOCHLEF, un concurrent direct samedi prochain. Ils se déplaceront ensuite à Béchar, là où il est très difficile de gagner. Puis, ils iront à Omob de Béjaïa, un club qui joue au moins le podium. Par ailleurs, voici les 3 prochains matchs du Net, l'ASOCHLEF et le MC L'Ulma. Des rencontres entre concurrents directs, des matchs à 6 points, qui ne nous laisse aucune chance de faire des calculs. Bref, le championnat le plus fou de l'histoire du football algérien risque de nous sortir en beaucoup de surprises. Sortez vos calculatrices, les vacances, c'est après le 29 mai. Et Amine Tirman, les calculatrices, elles vont chauffer hein, avant les vacances parce que ça va calculer sec. Messieurs, alors, avant de commencer le débat, je vais vous dresser un petit tableau de ce championnat exceptionnel. On en parle partout en Europe, on en a parlé en Allemagne, on en a parlé en Italie. En France, c'est un des championnats les plus indécis, les plus tassés. Il a même fait du créole, Tirman, en disant il est serré-collé, ce championnat. Alors, on va regarder ces chiffres et ces stats. Après 27 journées, mesdames, messieurs, alors, on va donc parler de ces 16 équipes qui sont, d'abord, ce qu'on a noté, ils sont scindés en 8 catégories, c'est-à-dire, il y a 8 blocs d'équipes qui ont le même point, et la différence entre le premier du championnat, l'Entente de Sétif, et le dernier, Belabès, ce n'est que 12 points, messieurs, c'est-à-dire que Nordine, lors de la dernière journée de championnat, il n'y a que le leader qui est mathématiquement sauvé et qui est maintenu en première division. Toutes les autres équipes n'ont pas encore assuré mathématiquement leur maintien. C'est exceptionnel. Il n'y reste que 3 journées de championnat. On va regarder encore un autre point. Il y a 10 points qui séparent le premier relégable du leader du championnat, c'est-à-dire 44 pour Steph et 34 points pour l'ISO et l'Ulma. Alors, troisième stat, c'est que sur les 81 points disponibles dans le championnat, l'Entente a perdu 37 points depuis le début de cette saison. 37 points. Le dernier, Blabès, avec 32 points, a perdu 49 points, soit une différence de 12 points seulement entre les deux. Ce n'est pas énorme. Hein. Ce n'est pas un leader qui se détache vraiment dans ce wagon. 4 matchs. Il y a une certitude, messieurs, le leader totalisera au maximum cette saison 53 points, pas plus. Alors que je vous rappelle qu'il y a eu un record, je crois, ça c'est le 7e point. Le record des points en championnat, c'était l'USMA d'Alger, saison 2013-2014, 68 points. Et il y avait d'autres records, hein, je crois Mouloudia, 66 points. Il y avait la JSK, 20 équipes à l'époque. Ouais. Alors, et puis pour terminer, il y a une moyenne des 10 dernières années. La moyenne des 10 dernières années, c'est environ 60 points. Comme diraient les Anglais, 0.9 points par saison. Est-ce que pour vous, on va revoir tout à l'heure les différents blocs, est-ce que pour vous, les équipes algériennes sont en retrait, ont un niveau qui se rejoint, mais pas forcément dans la puissance, mais plutôt dans la faiblesse? Je vais apporter un petit correctif d'abord. À part Sétif et les 4 équipes qui suivent, le MOB, l'MCO, le CRB et le Harrach,
ils sont hors de portée, même, je dirais même le CSC peut être hors de portée. Parce CSC, 38 points. Pour la simple et bonne raison que pour les matchs restants, les trois journées qui nous restent, beaucoup d'équipes menacées jouent entre elles. Exactement. Donc l'une ou l'autre équipe va laisser des plumes. Ou à la limite. Il y a un avantage à ça. Ou à la limite. Il n'y a pas de magouille. Non, ça risque pas d'y avoir de magouille. C'est le seul championnat où il ne va pas y avoir de magouille, je pense, depuis l'existence du football en Algérie, je pense. Parce qu'à l'époque, même si ça se faisait, ça se faisait d'une manière problème. C'était une petite magouille. Hein. Ah non, non. Il y aura des arrangements. Non, mais attends, pas de combine peut-être, non. Pas d'arrangement, mais la pression que vont subir les équipes qui jouent les mêmes objectifs à l'extérieur. Vous avez, écoutez, lorsque vous avez le Net qui joue la Saoura, qui joue le Harrach et qui joue un dernier match contre Chlef. Comment va-t-il négocier avec Chlef ou avec le Harra? Comment? Non, c'est vraiment difficile. On va voir le programme de fin de saison. Hichem, avant de voir le programme pour le titre, on va regarder le tableau justement des trois dernières journées qui attendent les équipes qui sont le plus menacées de relégation. Hein. On va d'abord, il va nous montrer donc justement ce tableau de la Ligue 1, de la 28e journée qui se jouera donc... Ça va être décisif, regarde. Pour le titre, l'entente décisive se déplace au 20 août. Alors, ça clignote en rouge. On a Belhabès, la 28e, qui reçoit l'ISO. On a Saoura qui reçoit... Ça, c'est les trois matchs de Belhabès, les premiers. Voilà, ça, c'est les trois matchs, voilà, les trois derniers matchs de Belhabès. Belhabès qui joue l'ISO, deux équipes qui jouent la survie. Saoura, Belhabès, encore la survie, ce sera Saoura. Et puis pour le Nahd du Sindé, il joue l'ISO, encore une fois une équipe concernée. Il joue aussi le Harrach juste avant, une équipe qui est concernée par le titre. Et ensuite, il jouera lors de la dernière journée dans le Dinsaadi, s'il vous plaît, face à Saoura. Et puis l'ISO, elle joue, on l'a vu, Belhabès, elle joue le Nahd. Et puis, elle se déplace lors de la dernière journée à Alger. Omar Hamadi pour jouer l'USMA d'Alger. Et puis, on va terminer par l'ULMA, qui n'est pas relégable, mais qui a le même nombre de points que l'ISO. Elle joue Saoura. Et puis, elle se déplace à Béjaïa. Alors, je ne sais pas, on va un peu parler de cette équipe de Béjaïa, qui ne gagne plus depuis 6 matchs, qui est en démobilisation depuis qu'elle a gagné la Coupe, un peu une décompression. Même avant. Même avant. Et là, ça ne fonctionne pas parce que. C'est la quart de finale de la Coupe d'Algérie. Il y a eu un petit clash entre Amrani et les dirigeants parce qu'il n'avait pas vraiment envie de faire la fête. Il leur a dit Mazel 4 matchs, donc il faut laisser encore les joueurs se concentrer. Même avant, au championnat, ils n'ont pas gagné pendant 4 journées. Et puis, l'Ulma qui finit et qui reçoit l'Azmo d'Oran. Il n'y a pas vraiment de magouille à la faire. Possible en tout cas. Sur le peu de points qui se présentent. Je ne parle pas de ces matchs. Vous parlez d'en haut ? Il y aura d'autres, oui. Il y a quelques possibilités. Des présomptions. Pas de magouille, je n'ai pas de preuves. Des présomptions. Alors, on va laisser ce tableau sur le mur. Qui peut s'en sortir dans ce cas de figure, messieurs ? Vous savez, personne n'est devin sur ce plateau. Je ne pense pas que... C'est franchement difficile. Moi, je peux... Tout est possible. Est-ce que franchement, tout est possible. De jouer à domicile est une assurance, pas du tout. Oui, parce que bon, il y a la pression aussi. Bon, mais on a vu avec la JSK, hein, ils ont bien joué à domicile contre le CRB. Hein. Ça n'a pas. Une bonne chose, tous les matchs vont se jouer la même journée et la même heure. Oui, ça, c'est un avantage. Nous, on a cité le Nahd, l'USM Belhabès, Chlef et l'Ulma, mais il y a aussi la JS Saoura, il y a aussi le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie. Il y a tout. Peut-être que c'est les quatre équipes non, qui... Moi, je pense que Belhabès... Ça, c'est ceux qui sont les plus proches d'en bas. Disons, mais il y a des équipes en danger. Il y aura peut-être deux équipes parmi ces... Je pense que Belhabès est mal barré, honnêtement. Si Belhabès fait un faux pas, elle est en Ligue 2. Il faudrait qu'elle gagne. En tout cas, moi, je peux dire une chose. À part l'Elma, toutes ces équipes qui jouent la relégation ont mal commencé le championnat. Ouais. C'est-à-dire ils l'ont mal commencé, bien que ça ait été de bonnes équipes. L'ISO, elle n'a jamais joué comme cette année, le Mouloudia, tout le monde, sauf l'Ulma qui avait quand même très bien démarré, et puis il se retrouve à jouer la relégation. L'Ulma, c'est un des plus beaux footballs cette saison. Ils sont en Champions League en phase de poule, c'est quand même malheureux ce qui leur arrive là, ils ne sont pas encore assurés. Ils étaient postulants, ils étaient conquérants sur leur terrain. Ils jouaient le tableau. Ouais. Voilà. Ils étaient à 4 points. Il y a eu des changements d'entraîneur, il ne faut pas l'oublier aussi, donc un peu d'instabilité. Il y a un peu laissé en vie pour le championnat, manque d'expérience. Ils ne pouvaient pas gérer le championnat. Ce n'est pas toujours le changement d'entraîneur qui fait que ça ne marche pas. Il peut y avoir un bon choix. Dans l'instabilité, quand on change,
On peut changer bien. Ouais. Et c'est parfois, c'est le changement, c'est le profil cherché qui n'a pas été celui qu'il fallait. Ce qui est impressionnant avec l'UMC Al-Alma, c'est que c'est pratiquement le même effectif que celui de la saison dernière. Et la saison dernière, l'UMC Al-Alma, c'était une des équipes, une des révélations de la saison. On est pris par le temps. On va voir d'abord le programme de ceux qui jouent le titre, rapidement. Le tableau des équipes qui peuvent éventuellement. Après, vous allez voir le classement de la phase aller et le classement de la phase retour, hein, et qui est surprenant. Voilà. Donc, pour l'entente de Sétif, elle vient au CRB, huis clos. Oui, je pense. Oui. Elle reçoit le CSC, et puis après, elle va, et tout dépend dans quelles conditions elle va se déplacer à Oran, parce que même Oran, messieurs, joue le titre. Juste à côté, on va voir le MCO dans le derby oranais face à l'ASMO à domicile. Ouais. Ensuite, c'est le derby des Mouloudéa. MCA, MCO à Alger, et pour finir, avec Sétif, le MCO aussi a... Ça pourrait être une surprise, celle de Cavalli, cette saison. Ça pourrait être une finale, comme on a dit. Ça pourrait être une finale. Et je pense que c'est la meilleure saison du MCO depuis de nombreuses années. Justement, c'est un peu une surprise, mais imaginons que le CRB, on regarde le tableau là, imaginons que le CRB remporte le championnat. Il y a une semaine, c'est une équipe qui jouait le maintien. Alors que si on voit le tableau, ils ont aussi beaucoup de chances de remporter le titre parce qu'ils ont deux matchs de suite au 20 août contre l'entente de Sétif qui est un concurrent direct. Donc ils vont le rattraper s'ils gagnent l'entente. Il restera qu'un point, je crois. Et puis ils recevront le RC Arba, qui sont vraiment dans des difficultés après la finale de la Coupe d'Algérie. Ils vont vendre sûrement leur peau, l'Arba. Je crois que vous oubliez aussi une équipe, c'est le Harrach. Non, on l'a pas oublié, elle est sur le tableau, là, voilà. Non, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mise en relief. Si elle gagne contre le CRB, elle risque de se classer en deuxième position. En fait, le Harrach a trois derbies. Reçoit le Nec, GSK à huis clos. Que Charef allait faire descendre trois équipes. Non, j'ai dit l'exploit de Charef aurait qu'il soit champion et qu'une des équipes qui l'a entraîné le Blab soit MCA descende. Voilà. Ça, c'est un miracle. Alors, en parlant du MCA. Ce qui est malheureux, c'est que le match, peut-être qu'il va déterminer le champion entre le CRB et l'entente, va se jouer à huis clos. Ça va jouer à huis clos. On va regarder, Hichem va nous montrer le tableau, le classement de la phase aller et ensuite le classement de la phase retour, en tout cas jusqu'à la 25e journée, et vous allez voir, c'est surprenant. Dans quelques instants, on va le trouver. C'est ça qui a fait ce tableau. Que ce championnat est vraiment imprévisible. Là. Épique. Vraiment, voilà. Quand on voit le mob qui sort. Oui, heureusement. Malgré le niveau très bas, il reste quand même indécis. C'est le charme. Quand on voit le mob, il est smart. En fait, disons que c'est un championnat coupe. La seule chose qui fait plaisir dans ce championnat, c'est qu'enfin, les présidents tous souffrent. Parce qu'il y en a marre, c'est tout le temps les entraîneurs qui souffraient. Maintenant, moi, on les voit. Vous les aimez pas ou vous les aimez plus, les présidents? Non, ils doivent souffrir aussi parce qu'ils n'étaient pas concernés. Ils n'ont pas des vacances ensemble. Hein? Alors, on va me dire si on a retrouvé les tableaux de la phase aller ou de la phase retour. Sinon, on va peut-être. Voilà. Donc, ça, c'est la phase retour, messieurs. Depuis le début de la phase retour, le leader du championnat, eh bien, c'est le Mouloudia d'Alger qui a gagné 24 points dans cette phase retour. L'entente est juste derrière avec 20 points. L'entente, finalement, c'est le club qui mériterait d'être champion. Il n'y a pas de champion de retour. Non. Le champion moral n'existe plus. Non, mais Jamel, pourquoi on prend cette photographie à l'instant T? C'est pour montrer l'évolution des clubs durant cette phase retour et ceux qui ont flanché. Le seul qui n'a pas flanché, c'est l'entente de Sétif, qui peut-être serait celui mathématiquement qui mériterait le titre. Pendant la saison, ils vont trimer pour aller chercher une Champions League africaine. Ils arrivent à se maintenir et à garder le rythme dans cette saison. Et puis se qualifier au pool. Et devinez qui est dernier de ce classement. Avec un effectif limité. Avec un effectif. On n'a pas vu la deuxième partie, mais c'est juste Mac qui est dernier. Avec 12 points, c'est-à-dire la moitié du nombre de points qu'a engendré le Mouloudia d'Alger, c'est-à-dire 24 points. Lusma, ça fait 2 mois quand même qu'ils n'ont pas gagné en championnat. Et Lusma, c'est 18 points de perdu à Bolloré, donc il fallait s'attendre un peu à... Même à l'extérieur, c'est plus Lusma qu'on connaissait, c'est plus Lusma conquérante. C'est révélateur, on doit carburer beaucoup mieux en deuxième partie de championnat, c'est là où on doit accélérer, ou alors il faut amasser le maximum de points au départ. C'est comment la stratégie d'un champion, le rythme d'un champion. Le rythme d'un champion, c'est le départ. Vous voyez le retour de Arsenal,
il est exceptionnel. Mais ils ont très très mal démarré. Huit matchs, ils étaient out. Après, ils se sont réveillés, mais c'était trop tard. Et vous voyez de l'autre partie, Chelsea, moi, chaque fois où j'ai été champion, notamment avec l'USMA, c'était au départ. À un moment donné. C'est ça un vrai champion. Hein, un vrai champion, c'est celui qui démarre bien et qui finit bien. C'est ça une équipe qui a l'allure d'un. On va dire qu'il a juste un petit passage à vide au milieu de saison. Il y a le finish aussi. Il faut bien terminer. Comme l'USMA l'année dernière. Exactement. Ils n'ont pas vraiment bien débuté la saison l'année dernière. Ils ont perdu deux matchs lors des six premières journées. Mais après, ils ont dominé le championnat jusqu'à la fin de la saison. Et City, par exemple, si cette saison ils remportent le titre, ils vont plus célébrer le maintien que le titre en lui-même. Avec le championnat que nous avons, avec le nombre d'équipes locales, c'est-à-dire à Alger, si une équipe gagne tous ses matchs à domicile et ne perd pas tous les derbys et les champions, ça c'est prouvé. Mathématiquement, c'est prouvé. On faisait ça déjà avant. Oui, bien sûr. Il est là. Si on gagnait tous les matchs. Tous les matchs à domicile, on gagne pas les derbys. Et négocier bien les derbys. De temps en temps, une victoire à l'extérieur. Exactement. Messieurs, mais on ne va pas vous demander qui sera champion et qui va descendre et qui sera en place africaine. Les paris sont ouverts, mais à votre avis, est-ce que ça va se décanter après une ou deux journées ou est-ce qu'il faut attendre vraiment la 30e journée pour que tout se décide? Moi, je crois que la prochaine journée va être décisive pour certaines équipes, notamment, par exemple, la Saoura. Saoura, qui a 35 points, qui pourra gagner le prochain match. Moi, je vois la Saoura se sauver. Pardon, qui peut passer à 38. La JSK aussi, si elle gagne contre... Je crois que l'Allemagne. Oui. L'Allemagne. Non, le prochain match, il joue à domicile contre Bélabé. Non, l'Allemagne. Ils vont à l'Allemagne. C'est plus compliqué alors. L'Herba qui peut s'en sortir si elle gagne contre la JSK et la JSK se retrouve dans de mauvais. Alors l'Allemagne reçoit Saoura et ensuite Saoura va recevoir Belabès. Voilà, c'est ça. Donc ça peut se décompter déjà maintenant. La journée Jamal, elle va être décisive pour le bas de tableau. Pour le bas de tableau. 20 ou 20 août contre le Nantes lors de l'ultime journée du championnat. Donc eux, Saoura aussi a trois matchs vraiment décisifs contre des matchs de confrontation directe. Il est magnifique. Notre championnat finalement, messieurs. Et qui est dans de mauvais draps aussi, attention. Il est indécis. Cette année, il y a l'Alba aussi qui risque de payer très cher. Ils sont 37. Sa défaite en coupe et son relâchement en championnat. Moi, je vais vous dire une chose. Ça n'a peut-être pas été dit. Le fait qu'il y ait dans notre championnat des contrats limités, par exemple 2 ans, au bout de la deuxième année, si tu as un groupe de joueurs. 8 ou 9 qui sont mentalement démobilisés parce que leur président ne les paye pas, parce qu'il leur fait des misères, cela ne veut pas dire qu'ils font exprès de perdre ou de faire, mais ils sont démobilisés. Dans leur tête, ils sont en train de chercher un autre club. Donc voilà, c'est le problème de la stabilité et c'est ce que j'avais dit par exemple en Tunisie. Il n'y a jamais de fin de contrat. C'est-à-dire, la fédération oblige de signer 2 ans. Bon, la fédération, c'est pour un problème technique. Mais les clubs ne devraient pas laisser ces joueurs... Attendre la fin. Il faut attendre négocier la fin. Au milieu de saison. Bien sûr. Tu peux intéresser ton joueur à rester. Tu peux discuter de la prolongation à la phase mercato. Mais la plupart, non. Il y a parmi ces équipes, je te garantis qu'il y a au moins parmi ces équipes qui jouent la relégation. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais écoute, non, je te parle des joueurs. Il y en a au moins 5 équipes qui ne sont pas du tout sûres de rester. C'est un professionnel biaisé, un président qui n'a pas d'argent. Il ne peut pas négocier avec ses joueurs. Il y a des joueurs qui ne sont pas payés. 4-5 mois, on existe. Et dans des clubs qui étonneraient plus d'un. Ah oui, mais... ouais, alors messieurs, on a besoin d'argent, comme les clubs. Hein. On va passer une petite page de pub et on revient juste après. Alors messieurs, pour terminer avec ce championnat de Ligue 1 mobiliste de folie, hein, avec ce dernier sprint, tout à l'heure, hors antenne, à la rédaction, on discutait avec Al-Fekhabib qui me disait, nous sommes
peut-être en train de payer l'après-Coupe du Monde et cette euphorie qui engendre peut-être un championnat des plus médiocres. On avait même parlé à Sao Paulo il y a quelques mois, pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, vous avez prévu qu'il y aurait un championnat. Que le championnat allait être vraiment inintéressant et peut-être désintéresser beaucoup les gens. Mais c'était une supputation. C'est le contraire. On avait vécu ça lors du championnat. Ça fait des années que ça dure. La Coupe du Monde 2010, après la qualification de Dorman, on a eu un championnat où on avait du mal à le terminer, si tu t'en souviens. Oui. Même les Européens, le site de la FIFA a consacré tout un dossier par rapport à ce championnat d'Algérie, au contraire. Vu que c'est tellement bizarre que ça intéresse tout le monde. Bah, bizarre, ne veut pas dire intéressant. Non, écoutez, le championnat est inintéressant lorsqu'il y a un événement important. La Coupe du Monde, par exemple, le championnat, on ne lui donne plus cette importance. Je me rappelle, le Moudi a remporté le titre en 2010 devant des gradins totalement vides. Hein, il y avait à peine 3000 spectateurs au stade du 5 juillet. Ce qui s'est passé cette année dans le championnat, il faudrait que les gens, les spécialistes dans la matière, se penchent sur le fait que, écoutez, là, on est à 44 points à 3 journées de la fin. Alors que, mathématiquement, on est à 65 voilà, points. C'est dramatique. 44 points, c'est pas beaucoup. Écoute, c'est très faible. On ne gagne pas beaucoup et on ne marque pas beaucoup et il n'y a pas de spectacle. Nous parlons de l'entente des cités. 44 points, c'est la 17e équipe du championnat d'Angleterre. Sans lever le mérite de l'entente des cités, Riyad. Une équipe qui prend un titre au milieu de la saison, une Champions League ou une Coupe d'Afrique, Coupe de la CAF, généralement... Les joueurs ou bien le club n'ont plus de motivation. Est-ce que c'est toutes les équipes qui jouent de la même manière? Peut-être. Ils jouent oui, peut-être. Défensive, qui n'ont pas. Vous voulez dire que n'importe qui aurait pu doubler une entente fatiguée qui ne peut faire que 40 points? Exactement, exactement. Bien sûr, Béjaïa aurait pu avoir le titre sans problème, Lusma aurait pu avoir le titre sans problème. Honnêtement, ces deux équipes particulièrement, qui étaient en vraiment à cheval à mano-mano. Je peux expliquer toutes les équipes, je peux expliquer le résultat, sauf Lusma. Lusma, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose de... Il est là, posez-lui la question. Lusma, oui, c'est pour vrai, ça que je regarde. Oui. Lusma, tout le monde attendait que Lusma allait conserver son titre. Confirmer son titre, oui. Conserver, parce que vu l'effectif, vu le moyen qu'il y a, écoute, ça a mal commencé déjà. Et puis, il y a eu les périodes de creuse qu'a traversé le club. Hein. Écoute, vous perdez 18 points à domicile. Pourquoi? Je ne vois pas comment vous allez conserver le titre. J'aimerais la poser même à Nordin Saadi, même s'il ne fait plus partie de cette équipe de l'USMA, mais il la connaît très bien, il connaît mieux que nous le football algérien. À quoi ça sert finalement d'avoir un club? L'USMA n'est pas encore le club professionnel qui doit être, par excellence, mais c'est quand même le club le mieux nanti, le mieux structuré du pays. À quoi ça sert d'avoir un staff médical de 6 ou 8 entre kinés, médecins et tout ce qui s'ensuit, soigneurs et tout ce qui s'ensuit, et des cabinets médicaux, les salles de musculation et tout ce qui s'ensuit pour qu'à la fin, est-ce que ça ne suffit pas, cher? Est-ce que ça ne suffit pas d'avoir tous ces moyens? On a déjà parlé de ça. Quand il y a une crise, c'est comme quand il y a une panne mécanique ou à la maison, machine à laver. Il y a des gens faits pour ça. Quand tu as un problème de machine à laver, tu appelles un technicien. Tu ne ramènes pas un ramoneur. Chez nous, le problème, c'est quand il y a une crise, ce n'est pas le technicien qui s'en occupe. Alors que le technicien est capable, même s'il a vécu... Le manque de résultats, il est capable parce qu'il sait, parce qu'il connaît toutes les pas mieux que le dirigeant ou le président qui demande. Votre question. Alors, la GSMB, c'était pas un technicien qui voulait, on n'a pas laissé le technicien continuer, on a voulu s'ingérer, on a demandé à l'entraîneur de partir et... je suis obligé de vous couper, on va passer à la troisième partie, messieurs, il reste à peine 10 minutes, c'est le face à vous. Alors, on n'avait pas le temps nécessaire pour la page Facebook de l'émission la semaine dernière, je vous l'ai promis. Et cette fois-ci, on va avoir droit à vos questions, mesdames, messieurs. On va commencer par la première, Hichem. J'aime bien ce pseudonyme qui s'appelle « Délicieuse douleur ». Je ne sais pas si ça existe.
Oui, voilà. Je veux un plan sur Saadi, s'il vous plaît. Gardez la question. Hein. Le voilà, Saadi, on va revenir à délicieuse douleur. Ce majociste qui aime la JSK. En tout cas, cette année, il est servi. Hein. Ouais, bien servi. Alors, à mon avis, la JSK a besoin d'un nouveau staff technique qui va lui permettre de prendre un nouveau départ et de se remettre debout sur ses pieds. J'espère, en tout cas, sur ses pieds, parce qu'on ne peut pas être debout sur les genoux. Et je pense qu'il manque des joueurs qui jouent avec le cœur et qui aiment cette équipe, à part quelques-uns tels que Ali Riel, qui reste l'un des meilleurs joueurs de la JSK. C'est pour répondre à... Alors, est-ce qu'il faut tout changer à la JSK l'année prochaine? Rapidement, l'affaire. Il faut poser la question à Nashib, pas à la Fekhamid. Mais bien sûr qu'il faut changer. Peut-être. Moi, je reviens toujours à ce qu'a dit... Du moins, il faut changer beaucoup de choses. Je reviens à ce qu'a dit toujours Nordin. Il faut puiser un petit peu dans le terroir local. La JSK ne joue plus avec ses enfants. La JSK, cette année, hein, c'est l'équipe qui a fait le plus jouer de, le plus de joueurs espoirs. Oui, de, mais jeunes, très jeunes encore, qui manquent encore d'expérience. Ils ont gagné, on l'a dit. Ils ont gagné quelques éléments. D'accord. Peut-être seront l'avenir. Voilà, on l'espère. Voilà. Déjà qu'il faut commencer par ça. Se retourner aux sources. On n'a jamais de problème d'argent. Exactement. Moi, j'ai une question, Hichem. Alors, celui-là, il s'appelle Hamidou Soussi. Voilà, qui nous dit Ligue des champions d'Afrique. Ligue des champions. À mon avis, l'USMA doit recevoir ses prochains matchs au 5 juillet. Et vive le beau jeu, le beau football. Qu'en pensez-vous? Oui. D'abord Hadj. Je suis d'accord. Et puis parce que le beau jeu, l'équipe de l'USMA, je pense qu'elle pratique. On pratique mieux, quelle que soit l'équipe, hein, dans un terrain en gazon naturel que dans un terrain en tartan. Je vous assure qu'avec la pelouse qu'il y a actuellement. Elle est superbe. Elle est magnifique. Je crois que toutes les équipages réelles qui vont évoluer vont se, et ça, se défoncer. Avec l'USMA, vous jouiez beaucoup mieux. On s'est battu le 3-0 au stade du 5 juillet, ouais, avec l'USMA. Oui. Mais cette pelouse est encore plus belle. Oui, mais l'ambiance est particulière dans un petit stade aussi. Quand il y a de beaux résultats, moi, j'aurais aimé, si j'étais entraîneur, de faire les matchs à Boulogne. Parce que... Il aimait jouer au 5 juillet aussi. Hein. Parce que pourquoi ne pas jouer au 5 juillet devant 40 000 supporters usmistes? Exactement. Il joue là-bas, pourquoi pas? Alors, prochaine bien question, sûr. Elle est pour vous, Hadj Adlan. Elle est signée Toufik Usmiste. Celui-là, en tout cas, il n'est pas du mob. Ça, c'est une certitude. Question pour Hadj Adlan. Et on veut une réponse en toute franchise. Hein, vous êtes mal barré. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de l'entraîneur actuel de l'USMA? Faites attention. Il n'a pas encore gagné deux matchs. Je pense que il a pris le train en marche. Peut-être que. Il l'a jamais pris. Oui, mais peut-être que il sa méthode de travail n'a pas donné ses fruits jusqu'à présent. Oui, mais là, les stats et les résultats, ils sont là. Mais en même temps, moi j'ai dit hier, c'est un entraîneur qu'on connaît. En même temps, voilà Habib, l'entraîneur. Voilà, il a eu le temps. Je le dis à Bamako, j'étais avec lui, j'ai discuté longtemps avec lui. Il passe le bonjour à Nordin Saadi, qu'il apprécie beaucoup. Mais pour parler de Fister, Autofister. Ça, c'est pour qu'il ne parle pas de jeu. Allez, il ne va pas lui parler de France. Qu'on est quand même. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Et pour reparler de Fister, c'est quand même un entraîneur qui a un palmarès, ouais, qui a un vécu, mais il n'y arrive pas. Peut-être dans un autre championnat, avec son expérience, il aurait servi. Mais avec la mentalité du joueur algérien, franchement, je vous le dis, il n'arrive pas vraiment à gérer le groupe. Exactement. On va passer à. J'aime bien ce pseudo aussi, messieurs, celui de Meriem. Riquelme. Alors, Riquelme comme l'ancien joueur. Boca Junior. Argentin. Alors, Riquelme qui nous dit le mercato estival, c'est pour bientôt. Notre cher Brahimi est courtisé par de nombreux et prestigieux clubs européens qui sont prêts à mettre le paquet. Alors, devrait-il partir ou rester à Porto après seulement une saison, tout en sachant qu'il y a des joueurs très talentueux dans ces clubs avec qui il devrait vivement compétitiver. Je ne savais pas que ça existait, ce mot, mais on a compris. Pour assurer une place de titulaire. Alors, Brahimi, messieurs, il doit rester ou il doit partir? Moi, je pense qu'il doit rester parce qu'il vient de commencer quand même avec le FC Porto. Et peut-être que la deuxième saison va être pour la confirmation aussi. Il n'est pas un maître de son destin. Hein, quand s'il y a un bon contrat en vue. C'est l'argent qui est mis dans la balance?
Il n'y a pas que lui, son club aussi. Hein. Son club préfère peut-être le. Il est dans un club très vendeur, comme on dit. Hein. C'est l'un des clubs qui a le plus vendu de joueurs au monde depuis ces dernières années. Oui, qui a fait des meilleures affaires. Mais lui, il appartient à la boîte de management. Oui, oui, je sais que la boîte de management peut gérer son transfert, alors qu'il y a le Milan AC qui le courtise parce qu'il y a Mr. B, le Thaïlandais, qui va racheter le club. Et parmi les fournisseurs. Parmi les investisseurs. Non, je crois pas en ces pistes comme ça qui fusent dans la presse tous les jours. Il manque pas de sollicitations, c'est clair. Maintenant, d'où. On parlait d'Arsenal avant. Oui, ben, pourquoi pas. Encore une question de Maria Medicalme, cette fois-ci c'est pour Monsieur Saadi directement. Alors elle vous pose cette question. Mariam Riquelme qui. Voilà. Alors, elle ou il? Elle. Alors, Monsieur Saadi, Jamel Belmadi est libre depuis peu de temps. Vous lui préconisez une nouvelle aventure avec une autre sélection nationale ou un défi avec un club. Lui a déclaré il y a quelques jours qu'il était plus intéressé par reprendre un club et revivre la compétition de championnat au lieu d'une sélection. Il a été sollicité par l'USMA, il l'a déclaré, mais il n'est pas intéressé par travailler en Algérie pour l'instant. Alors, club ou équipe nationale? Je pense que c'est beaucoup plus équipe nationale que club. C'est ce qu'il a dit, je pense, Riyad Khedira aussi. Hein. Il préfère une sélection qu'un club. Moi, je l'ai entendu et il a dit il a envie de changer. Sollicité par l'USMA, par qui? C'est ce qu'il a déclaré à la radio. Hein. Officiellement, on n'a pas d'informations. Vous savez, ces choses-là ne se font pas forcément officiellement. Il y a des prises de contact pour... Il y a des intermédiaires aussi. Voilà, il y a pour tâter la température pour voir si... l'USMA, hein. Comment? Il y a un problème de communication. Non. Vous êtes mal informé. L'USMA ne peut pas parler de contact avec un entraîneur alors que l'entraîneur est en place. Fister est encore en place. Il reste 4 ou 3 journées de la fin. Il va rester encore pour 3 Alors, on va passer à Fouad Alilou. Il n'a pas répondu, ça dit, hein, d'ailleurs. Ah. Alors, sélection? Non, il faut répondre. Qu'est-ce que vous préférez? Sélection ou club? Écoutez, maman, qu'est-ce que je m'en fiche d'où il va aller? Je préfère réfléchir à moi, qu'est-ce que je ferai l'année prochaine? Qu'il aille à l'équipe nationale, c'est son choix. On va rester sur ça, c'est quand même franc. On va passer à la sixième question, celle de Fouad Alilou, qui dit, les SSPA et l'argent du CSA, quel ancrage, quelle impunité pour les utilisateurs de cet argent et des subventions du CSA? C'est une bonne question pour vous, ça. Je pense que logiquement, le CSA et la SSPA, ou la société sportive professionnelle, doivent avoir un même destin. La société commerciale joue avec les couleurs du club. Donc, elle parle d'argent, doit... là. Hein. Oui, d'argent, oui. La question est... On parle d'argent. Le club professionnel doit verser au CSA le droit d'utiliser la marque, le sigle et les couleurs. Et pas l'inverse. Pas l'inverse, bien sûr. Voilà. C'est ce qu'il voulait dire, la question. D'où est-ce qu'il va tirer son argent? Alors, dernière minute avec celle de Zeki Usma. Je crois que ce n'est pas une question, ça, mais on va quand même la lire, celle-là. Alors, Hichem, tu vas nous montrer cette dernière question. Je vous prie de passer ce message au passage. Nous avons un ami très malade que nous voulions dire « Allah Shafik ». Donc c'est ses amis, par le biais de l'émission. Il s'appelle Smaïl Boudriès, on espère un prompt rétablissement, puisque apparemment il est très malade. Et c'est ses amis du site usmiste.com qui le soutiennent. Voilà, je vais les nommer Hamid Liverpool, Adlan Noussouma, Gold Reda Kamal, Abdou Besma Bassim, Waz Santos, et j'oublie les autres, Tahar, ancien usmiste, etc. Et Nordin Hambourg, c'est qui est Nordin Saadi, qui vient de Hambourg, ceux qui ne le savent pas. En tout cas, plus sérieusement, prends rétablissement à Smaïl Boudriès de la part de ses amis. Ils ont si on peut faire quelque chose, bien sûr, on est là. Ils peuvent nous contacter sur la page Facebook. Merci, messieurs, d'avoir passé un peu plus d'une heure avec. Beaucoup de diamants. Ah oui, dis beaucoup à un médecin qui s'appelle Kalima de Mascara, qui suit assidûment notre émission. Et on lui fait tous un coucou. Un coucou pour vous, peut-être dans des années, non? Un président de club, peut-être? Hein? Je suis libre. Non. Non, il y a des présidents qui voudraient peut-être inviter, je ne sais pas, à l'émission. Réfléchissez, vous le direz peut-être la semaine prochaine. Non, je le dirai. C'est plutôt Sarar qui me persécute au téléphone.
pour une chose que j'ai dit. Et pourquoi il ne viendrait pas sur le plateau? Honnêtement, je n'ai pas, manqué de respect. J'ai dit un avis. Je pense que moi, je respecte les auditeurs et les gens qui me connaissent. Vous m'avez posé une question, il fallait que je m'exprime, mais sans aucune méchanceté. Il a peut-être d'autres qualités, mais je ne lui trouve pas cette qualité de prendre la Ligue. Je suis persécuté au téléphone. On est arrivé à échanger des mots pas bien. Eh ben, alors qu'il vient entre deux gentlemen, oui, qu'il soit le bienvenu. Alors, Hakoum Sarran, c'est quand vous voulez sur le plateau, ici, pour vous exprimer et puis vous défendre si vous sentez que vous avez été lésé. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau et vous aurez en face de vous Nordine Saadi. Merci, merci messieurs d'avoir été là. Merci les filles derrière les caméras, vous ne les voyez pas, mais elles voient tout. Et c'est pour ça que nous sommes tous les lundis chez vous, le soir, pendant 1h10-15 minutes pour ce tour d'horizon du foot national. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour un autre numéro de Face Foot. À la semaine prochaine. Salut.